Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais. C'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. Mardi le 9 juin 2015. Ben, je crois qu'on est rendu là au creux de ce cycle baissier-là. C'est ce que ça a commencé à avoir l'air hier dans certains secteurs. Ça, c'est pas mal confirmé aujourd'hui. Bon, on va y aller avec ça, là. D'après mes analystes aussi... une possibilité de creux dans le cuivre et dans l'acier et dans plein d'autres choses. Nous allons faire le tour de ça en premier. Donc, le dollar américain, comme vous pouvez le voir, a été extrêmement volatile depuis 2 jours, up and down, là. Mais on est revenu ici, à la case départ. Là, ben, ça commence à suivre de l'autre côté là, de l'océan et même de la planète. Le Nikkei est parti en cycle baissier. Pas en tendance baissière, mais en cycle baissier. Et pourquoi je fais la ligne de là au lieu de là? Mais c'est parce qu'ici, on passerait notre temps à être traversé. C'est qu'après un bout de temps, lorsqu'il y avait ces deux creux-là, à partir de là, elle devenait comme ça. Et puis, la Chine a traversé son support légèrement. Donc, tout le monde s'en vient baissier. Ensuite, la Londres a continué encore à la baisse. Mais comme on peut voir que le support est multiple ici, là, il y a quand même beaucoup de probabilités, disons. Que le marché va rester là. Donc, à mon avis, je pense qu'on a atteint le creux ou presque. Du côté du SP500, c'est la même chose. On a rejoint une zone de support importante. Puis c'est le point genre d'inversement aussi, là, peu importe comment on la place, la ligne. Et donc, comme on peut voir, c'est allé plus bas. Ça semble ici avoir été le creux. Puis vous voyez, là, justement, dans le moment présent, le marché qui remonte, là, donc, on aurait touché notre creux. Du côté de Nasdaq, ici, vous voyez, le plus bas avait l'air d'être ce matin. Donc, en mettant un peu plus de données ici,
Donc, on avait genre une tendance comme ça. Là, on est en remontée. C'est pas vraiment encore inversé, mais ça pourrait très, très, très bien être le creux à court terme de cette dépression-là. Sur le Dow Jones, c'est un petit peu plus évident parce qu'on est revenu dans cette formation neutre-là, puis ça, ça aurait été juste une escapade d'hier avant midi à la baisse. Et puis le TSX, ben pas différent des autres, a une zone de support très importante, tout comme le Dow Jones d'ailleurs, tandis plutôt ici. Et que donc le TSX aussi montre que la tendance baissière intra-séance qui montrait encore ce matin qu'il y avait une continuité, oups, ça a viré de bord. Donc, ça a tout l'air d'être un creux. On va commencer par quelques nouvelles. Après ça, on va aller voir les ressources. Ressources. L'inflation poursuit son ralentissement de 1,5 à 1,2 en Chine. La lecture du PIB de la zone euro premier trimestre en hausse de 0,4. Dans les nouvelles américaines, on a quelques résultats financiers ici. Casey's General Store montait beaucoup plus que ça ce matin. Il est revenu à une hausse à peu près normale de 85 à 1,5, ses résultats financiers. H&R Block plantait ce matin. Maintenant, il monte. Il est pratiquement même en décollage, qu'on pourrait affirmer. Et puis ça, c'était qu'il y avait 2,68 à 2,73. Donc, ce matin, quelques parties en baisse, on s'est dit, les analystes attendaient à mieux, peut-être, mais ça s'est replacé. Fuel Cell Energy chutait aussi beaucoup. Ils ont passé de moins 2 cents à moins 4 cents, mais après avoir touché la ligne de tendance, oups, il y a eu un rebond fort là-dessus. Lululemon, 33 cents à 34... Où est-ce qu'il est mon Lululemon? OK, il est là. Lululemon, 33 cents à 34 cents. Puis Quicksilver, il chute solide parce qu'il est passé de moins 12 cents à moins 22 cents. Donc, c'est toute une chute. 70 cents. General Electric a confirmé un accord pour vendre ses activités américaines de prêts privés de capitaux propres. Et le titre ne bouge pas. Amtel travaille avec EC Bank Quality Partners pour explorer la vente et d'autres options stratégiques. Donc, ça doit être pas nouveau comme nouvelle. Ça fait plusieurs jours que le titre ride à la hausse. La FDA accorde une autorisation à Oculus. Lui aussi, c'est quelque chose qui est avec le vent dans les voiles depuis un bout de temps. Ça commence à saturer pas mal. Là. On s'entend-tu que là, ouf! On a atteint énormément, là. Il y a eu un très gros pourcentage, mais avec les plus gros volumes de sa vie. Ça fait que maintenant, pour ceux qui font du trading, swing trading et day trading, le titre devient super intéressant à suivre parce que c'est peut-être pas fini son histoire. Excepté que là, on est en haut d'un quand même un gros cycle haussier. Vous voyez l'angle de la tendance intra-séance, là. Donc ici, il y a encore du potentiel en masse, ça c'est clair. À court terme, dans les prochaines heures, moins certain. Mais vous voyez ici, là, ce dépassement-là, il faut comme un peu l'oublier. C'est vraiment la barre des 1,85 là, qui est son sommet. Parce que ça, là, ça a été là 5 secondes, la 2 piastres. Là. Donc, c'est 1,85 le nouveau point. C'est ça, 1,85? Oui, 1,85, 1,90, le nouveau point de décollage en très court terme là-dessus. Ici General Electric, Amtel, puis Newmont Mining, c'est que ils s'entendent pour acquérir une mine, donc ils sortent de l'argent, ça descend, puis c'est Anglo Gold Ashanti, donc qui monte. Ils payent ça 820 millions. Ensuite, on a Bombardier qui a une petite nouvelle. Chef de la direction, Alain Bellemare, minimise l'importance du salon de l'aéronautique pour la C-Series. Ils disent que l'événement n'est pas critique pour la C-Series. Parce que, je sais pas, il y a eu un petit peu de choses de dit à propos de ça, comme quoi qu'il ne ferait pas fureur là, mais lui, il dit que c'est pas grave. Sonocor. Rebondit aujourd'hui et conclut un accord de 5 ans avec Komatsu pour acheter des nouveaux camions pour certaines de ses opérations minières en Alberta qui seraient capables de fonctionner sans camionneurs. Et ça va se traduire par 800 emplois de camionneurs de moins, ayant un salaire moyen de 200 000 par année. Écoute, ça fait que tu peux le payer cher. Ton robot dans le camion, ces gens-là sont payés 200 000. Mais c'est poche pareil, hein? Encore des jobs qui s'en vont dans les mains des robots.
Ben, les robots peuvent pas tout faire dans un camion, mais ils peuvent, oui, ils peuvent faire des grands bouts tout seuls quand les chemins sont beaux. Aecon vend sa participation de 45% dans l'aéroport international de Quinto en Équateur. Bon, ça fait rien au titre. À Tabasco Mineral, il n'y a rien qui se passe non plus. Ils ont sorti un 43-101 qui dit qu'ils ont 683 000 tonnes. 683 millions de tonnes. Paramount Energy va fusionner avec Lloyds Energy. Ça, c'est très volatile, très, très cyclique, ce titre-là. Mais il a décollé ce matin, puis il est revenu. Et regardez, ça fait, il fait ça depuis 5 ans. Puis la fusion va entraîner la création d'une grande entreprise de pétrole et de gaz en Asie-Pacifique qui sera cotée sur la bourse de Singapour. Canadien National Resources reporte ses plans de dépenses. Donc, il a rebondi un peu, mais c'est ce que le secteur a fait aujourd'hui. Rappelez-vous que les titres pétroliers avaient chuté plus que le pétrole. Faisons le tour de nos ressources. Là, ce que je vous ai expliqué hier, c'est qu'on n'a toujours pas traversé la longue résistance, puis malgré une certaine volatilité, puis passé proche de, ben on était en situation survendue, on était à côté sur la grosse résistance, puis ça a rebondi. Tout comme le gaz qui était à côté sur son gros support en bas. On a même un auditeur hier qui nous a dit « on va prendre participation en bas dans le creux ». Même si je vous disais hier, prenez des profits, vous ne l'avez pas fait, faites-le aujourd'hui. Ou, encore une fois, ben regarde, c'est à vous les oreilles. Vous pouvez continuer si vous voulez. Mais pour tout le monde, regarde, ça, c'est même pas sûr que ça va se rendre là. Puis on a déjà rendu à moitié chemin. Fait que là, il est trop tard pour embarquer là-dedans. Puis le secteur pétrolier remonte, donc fait comme annuler un petit peu sa cote d'hier. Mais serait attendu à mieux avec une belle hausse comme ça de USO, une belle hausse comme ça du gaz. Bien, c'est un petit peu décevant. TTEN, là, parce qu'il aurait dû être plus loin par là, là. Il faut faire du cas par cas dans le secteur énergie, parce qu'il y a des titres quand même qui sont très solides. On s'est entendu que lui, il n'est pas faible. Il n'a même pas vu ça, la correction Parex. Precision Drilling non plus. Maintenant, il est très solide. Pas de risque dans ça à court terme. Il n'y a rien qui indique que ce stock-là va planter. Il y a même des creux positifs. Mais il y a tellement de grosses résistances. On peut pas en acheter, mais si on en a, on les garde. Enseigne Énergie, c'est pareil. Ça, quand ça sautera par-dessus ces titres-là, probablement lorsque le pétrole fera une vraie poussée à la hausse, ces titres-là vont probablement réagir fortement en hausse aussi, mais c'est pas encore le cas. Payson aussi est dans une position pour montrer ça. Bon, vous voyez des titres qui se tiennent quand même là du côté des pétroles. Transglobe, Advantage Oil, toujours correct, prêt à s'élancer. Puis il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Est-ce qu'il y en a qui sont négatifs? Bien, ceux qui étaient les plus faibles, comme Ener Plus, bien, regardez, ça s'est juste mis à rebondir un peu. Fait qu'on s'entend que ce n'est pas un signal d'achat là-dessus du tout. Cayera, bon, il déçoit un petit peu parce qu'il ne rebondit pas comme le secteur. Puis c'est un peu fatigant parce que même s'il n'y a pas gros d'espace en haut, ça aurait été bon de le voir aller par là. Plus il reste longtemps là, s'il décroche là, ça va être un autre signal de vente. Bon, Cana, c'est un petit rebond. Canadian Natural Resources aussi, Torch, Birchcliff. OK, il y en a un groupe, là, des premiers que je vous ai montrés. Ils sont plus beaux, sont plus forts, sont plus solides. Mais les titres-là qui font juste rebondir un petit peu aujourd'hui, là, ils déçoivent beaucoup. Donc, je comprends pas. Mais ça veut dire qu'il faut être prudent parce que il y a beaucoup de titres à rabais là-dedans. Là, puis on voit pas les institutions s'élancer dedans. Là, ben que... Pas sûr qu'on devrait embarquer dans ces... Même que je pense pas en tout qu'on devrait embarquer dans ces petits rebonds-là. Le Street Track Gold rebondit un peu aujourd'hui, mais comme on disait, c'était sûrement un creux, puis il y aurait un cycle à la hausse au cours des prochains jours à l'intérieur de la tendance baissière. Ben, je ne me suis pas trompé là-dessus, mais les titres ne veulent pas ici non plus réagir. Donc, regardez, là, je vais mettre ça à très, très court terme, là. Tiens, comme ça. Donc, ça fait une moitié de journée ici que le titre est, l'or est en baisse et remonté au milieu de la journée. Monté hier, monte aujourd'hui. Les titres orifères, oups, ils ont monté hier, ils ont monté un peu le matin, mais ils sont revenus là. Fait que regardez ici, la différence, c'est que l'or, on a un cycle à la hausse, puis les orifères, on a un cycle neutre. Fait que là, ça non plus, ça regarde pas bien. C'est pour ça que je me dis, on devrait peut-être pas acheter ça. Detour Gold, ben si vous étiez dedans, on sait qu'il y a quelque chose à part là, qui se passe sur Detour Gold, là, parce que l'or ne monte pas tant que ça, puis lui, il n'aurait jamais dû monter tant que ça. Donc, c'est autre chose que rien que le prix de l'or qui le fait monter, ça, c'est clair.
je crois. Et bon, Ayam Gold qui a fait quand même un papier petit mouvement hier de décollage, lui, il a continué. Puis maintenant, trop tard pour acheter. Ceux qui l'ont, ils gardent. Ceux qui n'ont pas, n'achètent pas. Primero, il va s'essayer une troisième fois encore. S'il ne faisait pas, puis il passait ici, ça deviendrait un beau point d'entrée, ça, sur ce titre-là. On n'embarque pas dans une correction à la hausse de Barrick Gold, exemple, là. Puis, oups, regardons ça, toi, au Cisco, qui est dans le même style que Détour, lui, il plante. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devises américaines. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. On a des auditeurs qui sont vraiment alertes, hein, parce que on n'a même pas dit encore je vais vous allumer vous ouvrir la barre de questions, poser des questions, puis la seconde qui est apparue là, il y en a qui l'avaient écrit d'avant, je suppose, puis a fait un copier-coller, qui ont fait pouf! Ça fait que je peux vous dire que Loulou invite le Piton, puis Picsou, puis Oprah, Guy, Dom, Clément. Et Guy, je pense avoir répondu à votre question hier, mais on va y répondre une deuxième fois. J'ai fait le choix d'embarquer dans le gaz. Je pense que le bas est atteint. Ça, c'était une question d'hier. Vous avez rentré à 3,18. Bien là, ça vaut 3,76, 3,78 à peu près. Là. Donc, vous faites 60 cents sur 3 piastres, 20 % cling, puis ton réduction de position, mais on en garde, hein? SYM, GUD, non, c'est Escapen, symbole. GUD, achat, merci Louis. GUD. Night Thérapeutique. Bon, c'était une question d'hier aussi, mais ou peut-être même d'avant-hier, puisque si vous posiez la question, ça devait être là. Puis je ne sais pas quel prix qui était, mais regardez, un dans l'autre, là. Bon, si c'était cette journée-là, ça aurait été oui. Regardez, toutes les conditions étaient là, mais malheureusement, je ne vais plus répondre à votre question-là. Là, par contre, regardez-le comme il faut, et le titre est toujours dans sa tendance haussière, mais il a une volatilité de cette grosseur-là. Vous voyez la grosseur de ces cycles haussiers? Allez pas trop haut, là. OK, de même, là, ça allait arrêter là, vraiment, là, OK? Puis la ligne de tendance est comme ça. Très beau mouvement. Donc, son oscillateur fonctionne bien, le 5-2-2. Il est en situation survendue. Puis, ceux qui veulent embarquer là-dedans, la seule chose qu'ils ont à vérifier ici, c'est que être bien sûr que le titre ne va pas continuer par là. Donc, qu'il va repartir par là. Puis son prochain début de cycle aussi serait comme passer le 7 $. Bon, de nouvelles de Gastem, GMR? GMR? Non. Pourquoi? Il n'existe plus peut-être, parce que je n'ai plus le symbole. GMR. Bon, ça doit changer de symbole. C'est GMR.H? GMR.H. Non plus. Je vais passer une autre question. Maxime va vérifier ça pour moi. Il n'existe plus? Non? Bon, il n'existerait plus. En tout cas, moi, je ne l'ai plus dans ma machine, donc ça veut dire que ça doit faire un bout de temps qu'il est délisté. C'est pour ça que vous demandez s'il y a des nouvelles. Parce que si c'était un point H, là, ça veut dire qu'il était au purgatoire. C'est ça, le point H. Loulou,
DGC, qu'est-ce qui l'a fait monter autant? J'en ai 811,32. DGC. 811,32. Est-ce que je dois vendre une partie ou j'attends de voir où il va se rendre? Bon, regardez, vous êtes à 11,32, hein? 11,32, là, c'est quelque part... Bon, ici, c'est 37, ça, c'est 30. Bon, ça, c'est 11,30, là. Ça veut dire que, en quelque part, vous l'avez acheté là, là, là ou là, là. Puis vous êtes rendu ici. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'argent dans votre affaire. Mais c'est vous qui décidez. Regarde, si vous l'aviez vendu avant, ben vous l'auriez pu. Là, la tendance est haussière, elle a accéléré, puis dans le moment, il est dans un cycle haussier encore accéléré, puis même de même. Ça, ça se maintient pas longtemps, ça c'est clair. Mais il n'y a pas de signal de vente ni d'inversement de rien avant minimum 13,6. Mais vous êtes à 11,32, vous avez de la marge de manœuvre en masse. Donc, si vous voulez y aller pour un plus long terme, moi, je vous dirais... Attendez donc qui revient de bord. Je suis à peu près sûr que ça va arriver aussi, à moins qu'il ait trouvé un autre pit de la même grosseur que le leur, pas loin, puis que ça change totalement la valeur de la compagnie parce qu'ils ont trouvé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'or. Je sais pas qu'est-ce qui se passe dessus, là. J'ai pas de nouvelles, j'ai pas rien vérifié, mais regarde, il est en état de grâce solide, là, le titre est bien beau. Là, je pense qu'il est sur un top à très court terme, OK? Mais c'est votre choix. Vous avez tellement de sécurité là-dessus que, là, regarde, son dernier signal d'achat, il était 10,50 après l'avant-dernier. Après ça, l'autre, il était 12,37. Là, il va être probablement, le temps qu'il se mette et qu'il redescende, il serait comme 13,40. OK? Puis vous êtes à 11 et quelques. Ça fait que moi, je pense que la dernière pièce, vous pouvez l'oublier. Si vous allez voir jusqu'en haut, ben vous ne ferez pas la dernière pièce. C'est un peu ça. OK? Mais si vous vendez de suite, ben vous la ferez pas non plus si il monte de 3 piastres. Là, acceptez que là, vous avez pris le risque et vous êtes déjà in the money, fait que c'est moins dangereux. BTO, B2 Gold, il y aurait eu un beau signal ici, mais le titre est revenu. Ça fait que là, il est dans une formation neutre, on l'évite pour l'instant, si on l'a, on le garde, si on l'a pas, je suggère de réduire si le titre tombe en bas de 2, mettons qu'on est 1,98, mais le prochain achat sera pas avant 2,25, à moins que ça vous tente de faire le 2,20, OK? Parce que dans le moment, c'est un peu ça son swing. Si je vous mets ça dans un... Bon, vous voyez, il swing entre 2 pièces et 2, 2 pièces et 20 à peu près. Donc, je pense que dans les pas loin des prix actuels, on serait pensable de faire 2,3, 2,5 à 2,15, 2,17. Mais si jamais il tombe à 2, oups, après ça, il faut sortir. C'est le risque de ça. Maintenant, Oprah. Bonjour Michel, pouvez-vous me spécifier le niveau de profit lorsqu'il y a un breakout, c'est-à-dire un élan haussier, un signal d'achat, whatever? 2,5%, 5% ou 10%? Est-ce à partir du dernier niveau de résistance ou depuis la ligne de tendance? Wow! OK, ça, c'est compliqué de la manière que vous dites ça là, mais ce n'est pas une question de pourcentage. C'est une question de volatilité. Parce que un titre à 25 cents qui va aller à 50, 60 cents, on n'aura pas pris un profit après 2%. Là, on va prendre un profit avec du 15 puis du 20 des fois pour cent. Tandis qu'un titre à 20 $ quand il va avoir monté d'un dollar, c'est beaucoup d'argent. Puis là, ça va être 5 %. Habituellement, c'est par rapport à sa volatilité. Vous voyez? Regardez ici, là. Le stock, il décolle de même. Il y a une résistance, là. Fait que rendu ici, il fallait prendre des profits. On ne savait pas qu'il montrait encore un peu plus loin. Donc, c'est à peu près... C'est toujours par rapport à ses cycles précédents. Puis c'est une vraiment bien grosse question à répondre. On va essayer de la garder en tête. Puis à chaque fois que je vais tomber sur un exemple, ben je vais vous dire, regardez Oprah, en voulant un exemple. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devises américaines. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision.
un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. On va checker un petit peu notre marché là pour voir où on est rendu. Oh, ben les orifères sont un petit peu menaçantes là, tout d'un coup. Là, on était en hausse ce matin, puis là, ben ça fait 3-4 fois qu'on vient sur ce prix-là. Ça veut virer de bord ici. Je dis qu'on est en situation de creux et non pas dans un cycle haussier, dans un marché haussier, là, pas loin de ça. Bon, là, tranquillement, pas vite, là, on a une petite pression à la baisse. Regardez, on la voyait, puis elle a rallongé même. Et puis, les marchés ont chuté ce matin, ont rebondi. Donc là, on a fait l'aller-retour, donc ça donne pas ni plus ni moins pour la journée. Même chose sur le Dow Jones. On est allé là, on est revenu là, puis on est quand même dans une zone neutre, et ainsi que le TSX. Pour aujourd'hui, on a peut-être donné ce qu'il y avait à donner. Là. Je ne penserais pas qu'on va s'en aller vers une phase vraiment haussière. Là. C'est un entre-deux, là. C'est ce qu'on appelait un pullback. Mais on a déjà mis le pied en marché baissier. C'est pas pour rien. Les institutions sont allées un peu plus loin qu'ils avaient l'habitude d'aller depuis un bon bout de temps. Notre fameux PLI, c'est-tu un achat que demande Guy? PLI. Ben, pas aujourd'hui, là, à cause de ce qu'il fait là, mais là, c'est le marché aussi. Il est en phase de consolidation, là, puis sans vouloir parler de choses à l'interne de la compagnie, là. Moi, je parle techniquement, là. Techniquement, on est dans une phase de consolidation comme ici, puis comme ici. Ça fait bien des fois, je le répète, mais écoute, ça fait tout ce temps-là qu'il est là-dedans, là, depuis le début mai. Bon, ça fait qu'à chaque fois qu'on me parle de PLI depuis le début mai, j'ai à peu près toujours le même commentaire, parce qu'il est à peu près toujours dans la même situation technique depuis ce temps-là. Je pense qu'il faut être un petit peu patient, puis il n'y a pas grand-chose à faire que de garder nos positions pour l'instant. Chez nous à 3,46, profit à 3,75, on fait quoi avec le reste? On les garde! Et on les garde parce que... Regardez, je vais vous mettre ça dans un graphique en... 3,75, je l'avais acheté ça hier, je suppose. Je dois avoir ça dans mon graphique. 3,46, et puis 3,46, donc je l'avais acheté hier. On va le mettre en 2 minutes. Bon, c'est payé ça, 3,46$. 3,46$, c'est là, là. Fait que probablement, là, à 13h ou à 15h35, là, en tout cas, c'est comme hier, là. Puis regardez, là, un matin, il a monté. Puis ça, c'est un creux. Ça, c'est un creux. Puis ça, c'est un creux. Puis ça, c'est une tendance. Puis dans le moment, là, regarde, il pointe encore par là, là. Ça fait que, pour l'instant, vous avez déjà pris des profits. Ça fait que sortez pas pour rien. Marchez avec soit un trailing stop, OK? Comme, bon, regardez ici, par exemple. Le titre est à 3,75, là. Mettons, il est à 3,77, là, mais faisons un chiffron 3,75. On vendrait où? Vous avez déjà la moitié de vendu, là, OK? Puis vous voulez pas revenir ici. Fait que entre ici et ici, il faut avoir tout vendu le reste. Bon, ben qu'est-ce qu'on fait avec le reste? Ben vous le gardez au moins. Si jamais il tombait à 3,70, vous le vendriez. Donc, calculez 3,80, 3,70, 10 cents, c'est combien? Donc, mettez-y un trailing stop à 10 cents, ou à 3-4%, quelque chose du genre, OK? Laissez-le aller, puis faites d'autres choses. Est-ce que vous allez recevoir M. Lorrain et Ellie en entrevue? Non.
pas prochainement. Bonjour, KCK sur V. KCK sur V. Avant que l'émission se termine, avertir ceux qui ont suivi les deux sections, pas les deux, une des deux, n'importe laquelle des deux, ou les deux. Le premier atelier supplémentaire, c'est demain, de 15h à... de 13h à 15h. Je vous confirme qu'on va avoir avec nous une couple de traders et qui vont être ici ou qui vont être en entrevue webcam. Et puis, il va y avoir des commentaires intéressants là-dedans. Oui, on va faire de l'analyse, mais c'est vraiment un atelier puis une discussion. On va avoir des gens d'expérience qui vont être prêts à partager leur expérience avec des gens qui en ont peut-être moins d'expérience. Puis comme Denis m'écrivait dans son courriel, au début, il y avait de la misère à faire confiance, puis avec l'apprentissage, ça a changé, puis très ouvert à partager ses expériences avec les autres traders aussi. Et donc, ça risque d'être très intéressant. Kicking Horse, il a le vent dans les voiles. Hein? Regardez, là, il vient de traverser une résistance importante. C'est encore un signal d'achat au prochain décollage à 3,92. Là. Puis celui qui m'écrit, qui m'envoie des lettres en m'écrivant mon nom en majuscule, ça a l'air d'être le même gars qui m'envoie des courriels. Moi, je réponds pas à vos affaires. Faut faire ça autrement. C'est pas cute, votre affaire. Merci d'avoir été là, tout le monde. On se retrouve demain dans le feu de l'action.